Homer Sisley ne serait pas contre l'idée d'utiliser une machine à remonter le temps. Quand il n'enfile pas sa blouse de médecin légiste dans la série Balthazar, diffusée ce jeudi 23 février sur TF1, le comédien renoue avec son rôle de père. En couple avec Sandra Zetoun, après une séparation de 17 longues années, il est à la tête d'une joyeuse famille recomposée. Déjà père de deux enfants, Liv Chaya, née en 2008, et Levin, née en 2011, fruit de son histoire d'amour passée avec Julie Madar, la star de Largo Winch est également le beau-papa de Dino. Très impliqué auprès des trois adolescents, Homer Sisley souhaite leur offrir la meilleure éducation. Cependant, comme tout parent, celui qui a donné la réplique à Jennifer Aniston a le sentiment d'avoir commis quelques erreurs de parcours. Lors de son passage dans l'émission C'est à vous sur France 5, le 2 janvier dernier, l'acteur de 48 ans a fait part de son plus grand regret concernant ses enfants. En tant que papa, revenir en arrière sur deux-trois moments, deux-trois petites décisions que j'ai prises. A-t-il admis. S'il le pouvait, l'acolyte de Constance Labbé aimerait se montrer plus ferme au sujet des écrans. Et il y a bien le moment où j'ai donné l'iPad à mes enfants pour la première fois. Si je pouvais revenir en arrière, a-t-il avoué un brin penaud. Pas sûr que ses enfants partagent le même avis. Supérieur à ces couples de stars qui résistent à l'épreuve du temps, Homer Sisley, un vrai papa poule, Homer Sisley prend ses responsabilités de père très à cœur. S'il a souffert de l'absence de ses parents durant son enfance, le comédien souhaite être un papa présent pour ses enfants, comme il l'a confié à Yana Barthès dans l'émission Quotidien. J'apprends tous les jours. Je fais de mon mieux. Je me pose tout le temps des questions. Je me remets tout le temps en question en tant que père. Il n'y a pas de mode d'emploi, j'essaye de ne pas répéter des erreurs que mes parents ont faites, a-t-il avoué. Très proche de ses trois enfants, Homer Sisley essaye de leur ouvrir l'esprit et de leur donner des armes pour la vie. Une éducation qui semble parfaitement convenir à son beau-fils Dino. Lors d'une interview inattendue au magazine Ciné Télé Revue, l'unique garçon de Sandra Zetoun s'est montré très élogieux au sujet de Homer Sisley. Il est super attentionné et très pointilleux. Tout ce qu'il peut apprendre, il l'apprend. Et il nous l'apprend en retour. A-t-il confié. Avant de revenir sur le côté quelque peu autoritaire de son beau-père, quand il faut nous engueuler, il nous engueule. Il a des valeurs, si est-il un super père. Des déclarations qui ont dû rassurer le papa très inquiet. Crédit photo, V1. Take a chance, you can just keep